Bonjour à tous, c'est Ludo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 10e tableau de Tomb Raider, la cité de Camoun. Donc, comme vous pouvez remarquer, on a changé d'endroit. Nous sommes maintenant en Égypte, bien entendu, pour cette formidable expédition. Et nous allons en notre possession Sion. Nous avons Sion en notre possession. Tiens, dans un jeu de mots. Encore un. Bref, voilà. Donc on arrive ici, dans cette pièce, attention, ne parler trop vite, puisque nous avons déjà un premier obstacle, qui est cette petite chute, qui peut nous faire un petit peu mal, si on la fait mal. Voilà, ça c'est fait. Ludo, il a fait l'erreur. Bref, première chose à faire ici, actionner un interrupteur qui se trouve là-haut, au bout du petit couloir. Donc là, pour ce faire, un petit peu d'élan. Et voilà, j'ai mal fait, comme d'habitude. Et si tu veux bien sortir de là, Lara, ça m'arrangerait bien. Donc, pour ce faire, il faut, si possible, faire un peu d'élan, faire un saut en direction de la plateforme. Et voilà, c'est fait. Ce fut laborieux. On y va. Voilà, une porte s'est ouverte. Donc c'est la porte qui se situe juste en dessous de nous. Donc on va aller voir ça de suite. C'est la porte là. Et derrière cette porte, nous voyons une pierre qu'on va devoir retirer. Puisqu'elle va nous aider, cette pierre, à aller un petit peu plus loin dans le jeu. Donc normalement il faut la tirer deux fois afin de pouvoir faire glisser au-dessus celle qui est au-dessus, pardon, par-dessus celle-là. Alors ce que je vais faire, je vais la retirer encore une fois parce que derrière il y a un petit bonus, pas un secret, hein, mais un petit bonus, pas déplaisant, qu'on va aller chercher de suite. Des munitions de Magnum que j'ai toujours pas. J'ai toujours pas cette arme. Je me demande à quel moment je vais pouvoir aller le chercher, celui-là. Donc maintenant, on va repousser le caillou une fois. Voilà. Donc là, je vous montre, hein, celle qui est juste au-dessus à ma gauche, et on peut aussi la tirer. Et on va la tirer jusqu'au pilier afin de pouvoir continuer. Allons-y. On voit au passage les petits bugs au sol. Donc là, pas compliqué. On peut la laisser ici, on n'est pas obligé de la mettre au rabord. Un petit saut vers l'avant. Et c'est parti. Pour la suite, il suffit de faire un petit déplacement sur la corniche ici. Et en avant tout. Alors vous ferez attention, il y a un léopard qui va apparaître. On va faire attention. Si je sortais les fusils, c'était mieux. Ah, c'est dommage que je l'ai pas dans mon champ de vision. Allez, tu vas mourir. Voilà, c'est fait. Donc ici, il y a un petit truc à prendre. On va aller chercher. Il y a même deux choses à prendre. Petit roulement de gong là,
Ça veut dire qu'on arrive dans une zone importante. On va aller chercher les réserves de munitions de Magnum. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez partir. Alors ici, on va faire attention. Il y a un ennemi fort sympathique un peu plus bas qu'on va aller atteindre depuis le perchoir ici. Non, 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 pas plus loin, Lara. Pas plus loin. Pas plus loin. Voilà. Hop, on va l'avoir depuis le perchoir. Sans aucun problème. Depuis ici, c'est fastoche. Voilà, il est éclaté en mille morceaux, c'est fait. Ok. Maintenant, regardez bien, il y a de l'eau. On va pas aller dans l'eau tout de suite. Donc, regardez un peu les horizons. Il y a un grand pilier ici. On va aller sur ce grand pilier. Je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Donc, lorsqu'on va aller sur ce pilier, on va activer une porte. Donc, une fois qu'on sera au-dessus. Alors, attends, que je dise pas d'annerie. Normalement, on peut y arriver depuis là. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Hein. Normalement, on peut y arriver depuis ici. Ouais, c'est ça, c'est le cas. Donc, on va monter sur le grand pilier. On va aller se foutre en face. On n'est pas tout à fait en face là. Hein. L'idéal, c'est d'être en face quand même. Ouais, on y est presque là. On va s'y mettre. Allez, on fait un pas en arrière. Et on y va. Alors, je sais pas si ça s'est entendu, mais il y a une petite porte qui s'est ouverte. Donc là, on va aller prendre des réserves dans l'eau. Donc il y a, s'il veut bien se mettre, voilà, une réserve de balles pour les magnums, et un petit peu plus vers là-bas, il y a normalement une deuxième réserve de balles pour les magnums. Donc j'ai beaucoup de réserves de munitions, mais j'ai toujours pas le pistolet. Donc le jour où je l'ai, j'aurai de la munition. La suite du tableau se trouve dans la tombe au-dessus, sur le côté. On y accède sur le côté et on va aller chercher à l'intérieur une clé qui va nous servir à ouvrir le tombeau, si je puis dire ainsi, l'accès à cette espèce de statue là. Donc on va essayer de grimper là. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là? Veux-tu y aller? Alors on va faire ça. Ouais, on va y aller. Donc là, il faut bien se mettre au bord. Faut bien se mettre au bord ici. Il faut marcher. Vraiment, vraiment, vraiment fort. Alors moi, je vous conseille de marcher doucement avec le bouton gauche tranche enfoncé. Et voyez ici, on a accès à l'arrière. Donc, on va récupérer une réserve de cartouches pour le fusil. Bon, celui-là, je l'ai, donc c'est pas un problème. Et une clé qui va nous servir à ouvrir le tombeau. Une clé. Enfin, je sais pas c'est quoi comme clé. C'est une clé saphir. On va ouvrir donc la porte en bas avec la clé saphir. Donc on va descendre d'ici de suite. On va pas perdre une seconde. Voilà, hop, on va aller tirer le caillou qui est juste en dessous et on va aller à la suite. Voilà, donc là, ce caillou-là, vous le retirez et vous aurez accès au-dessous du tombeau. Il y a une petite serrure. Tranquille, peinard. Je crois qu'il n'y a pas d'ennemi à hein, cet endroit-là. Donc vous enfilez la clé à l'intérieur. Boum. Et on continue. Ça, c'est fait. On continue. Alors attention,
Là, il y aura des ennemis qui vont arriver de là-bas au fond. Oh, attention, il arrive assez soudainement d'ailleurs, hein, cet ennemi. Vous remarquerez qu'il est assez... Il prévient pas, hein. Il attaque tout de suite. En plus, c'est une espèce de panthère là. Oh là 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 là. Ouais, c'est bon, c'est fait. Donc, vous avez peut-être pu apercevoir en sautant au-dessus. Si vous faites comme moi, eh ben, vous verrez qu'il y a une petite trousse de secours. On va pas se priver, on va aller la prendre. Ça peut toujours servir. On n'en a jamais trop de ces trucs-là. Alors la suite du tableau, elle se trouve tout au fond à droite, ici. Hop là. Vous grimpez ici sur ce mur. Et alors attention ici, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre, si je me trompe pas, normalement c'est ici. Ah, tiens, j'ai des magnums. Ah mais je les ai! Je savais même pas! Mais comment je les ai eus? Je sais pas. Est-ce depuis le début, je vous dis que je les ai pas? Mais en fait, je les ai! Et pourquoi je les range? Ah mais ça change tout, je savais même pas que je les avais, tiens. J'ai fait les tableaux sans bon. Au moins j'ai économisé des munitions. Peut-être que je les ai depuis le début du tableau ici en Égypte. C'est pas impossible. Bon, enfin bref, voilà. Donc au moins j'ai fait une découverte. Hein. Je m'impressionne encore un peu à moi-même. Donc, on progresse dans cette salle. On va faire attention de parler trop vite. Vous voyez, on arrive là. Donc, un petit tour des horizons. C'est un peu rapide, je sais. Je suis un peu vite. Bon, voilà. Alors, en faire attention, il y a des ennemis à proximité. On peut-être pas forcément prendre les magnums là, parce qu'on est perché ici. Alors, on va regarder. On va aller faire ça de suite. Il y a voilà, un crocodile qu'on va aller détruire. Bon, là, on peut prendre le pistolet. Aucun problème. Voilà, il est détruit. Il n'y a rien d'autre. On peut progresser. Alors ici, il y a une zone secrète, pas trop compliquée à prendre, donc je vais aller la chercher. Je vais vous la montrer, comme ça au moins, je vous montrerai quand même quelques petits secrets. Voilà, donc en fait, c'est là-bas. Hop. J'y vais surtout parce que je sais qu'il y a ça. Mais il y a une réserve de magnum là et une grosse trousse de secours, toujours très utile. Donc c'est formidable, on a progressé. Maintenant, la suite du tableau, elle se trouve non pas en dessous ici, mais dans l'eau. Donc on va aller à la flotte, faire une petite trempette. Donc si je me trompe pas, voilà, donc on passe par en dessous. Prenez le petit chemin. Ah, bref. On va décompte qu'il y a une porte qui est fermée. Il y a un interrupteur vertical juste là. On va essayer de se foutre en face si elle veut bien. Ce qui n'est pas toujours facile. Allez, hop, ne m'embête pas. Ah, mais la rame, qu'est-ce que tu fais là? Allez, fous-toi dans l'axe. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Voilà, en fait, elle s'y fout toute seule. Bon, la réserve d'oxygène, elle est basse, mais c'est pas grave. Attention, écoutez. Ouais, c'est exactement là qu'il faut aller. Forcément, quand on entend la petite musique, ça signifie qu'il y a quelque chose à faire. Et surtout qu'on est au bon endroit. On va détruire ce crocodile. Voilà. C'est un pistolet, hein. Ça suffit, il n'y a pas besoin de prendre les gros fusils. Ce sont tous les ennemis qui sont tuables sans qu'ils vous touchent. Bon, ne vous embêtez pas. Prenez les pistoles. Vous avez les munitions illimitées. Donc là, j'arrive pas à me foutre dans l'axe direct. Donc, on sachez que quand on fait des sauts comme ça, on avance de un tout petit peu à chaque fois. Donc, alors là, il y a un fragment de sauvegarde. Alors, je vous conseille de ne pas l'utiliser forcément tout de suite, tout de suite. On va essayer de faire attention. Donc là, je vais essayer de faire. Alors, je suis pas sûr que je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver comme ça. J'y suis jamais arrivé de cette manière-là, de toute façon.
Donc là, on va faire encore une tentative comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce saut? Ah, je fais des sauts des fois bizarres là sur le côté, j'arrive jamais à savoir pourquoi. On va pousser la pierre, on va faire le chemin normal. Bon, c'est un peu plus long, mais tant pis. Alors, on va pousser un peu vers le fond. Et on va faire la suite du tableau. On va essayer. Voilà. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Hein. C'est pas excessivement difficile. Bon, c'est vrai qu'il y a des endroits qu'il fallait quand même trouver, notamment l'entrée par derrière, sur le côté du Sphinx, là. C'était assez compliqué. Il m'a fallu pas mal de temps pour l'avoir, celui-là. Donc là, je crois que c'est safe. Donc il y a un interrupteur qui se situe juste au-dessus. Donc on va essayer d'aller chercher ça de suite. Attention, activation. En fait, ceci a fait apparaître quelques petites plateformes en plus, donc qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Je vais vous les montrer. Voici la grosse plateforme ici qui est apparue. Voilà, et puis un accès en face qui s'est également ouvert. Donc maintenant, on va revenir sur nos pas. On va aller chercher le cristal de sauvegarde. Alors, ce que je vous conseille de faire, si jamais on venait à perdre, hein, ce qui peut m'arriver, hein, même pendant la vidéo, hein, c'est de placer déjà la caisse à un certain endroit précis. Comme ça, au moins, quand on sauvegarde, bah, c'est déjà fait. Ça nous évite de recommencer à chaque fois. Alors, une petite note importante, bah, je regardais quand même un petit peu des vidéos d'autres personnes sur Internet qui font le même jeu que moi. Sur PlayStation notamment, parce que je voulais voir un peu les différences qu'il y avait entre les deux Tomb Raider. Et il y a une différence qui est notable entre le Tomb Raider Saturn et le Tomb Raider PlayStation. Et bien sur PlayStation, il y a plus de fragments de sauvegarde que sur Saturn. Ouais, ça j'en suis sûr. Parce que sur l'autre, par exemple, derrière le Sphinx, quand vous avez eu la clé, il y avait un fragment. Alors que là, il n'y avait que dalle. On n'a pas encore pris de fragment hein, ici. Hein. Le premier est seulement ici. Donc vous voyez, c'est plus difficile sur Saturn que sur Play. Donc il y a du mérite quand même. Mais bon. Ah, on va pas exagérer. On va pousser encore le caillou une fois. Donc, je vous montrerai où on va aller. Voilà, donc le placer ici. On va aller sauvegarder de suite. Avant de faire une bêtise. Voilà, on sauvegarde. Ok, ça c'est fait. On continue. Alors, après avoir sauvegardé, revenez à l'endroit où vous avez poussé le caillou. Vous grimpez dessus. Vous devez aller vous agripper ensuite à la plateforme qui est en face là-bas. Elle n'est pas tout à fait en face de vous. Un petit peu excentrée. Donc, pensez à faire un saut légèrement en biais. Voilà, pour y arriver. Ensuite, ici, il suffit de pousser le caillou une fois. Préparez-vous cependant avec des armes de pointe. Donc la vie, elle est presque pleine, donc je n'ai pas besoin. Avec des magnums, si possible, ou le shotgun, comme vous voulez. Mais autre chose que les pistolets, parce que là, pour le coup... Alors, un conseil. Allez bien, vite, vite, vite vers lui. Attention, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui vient de se passer. Où est-ce que je suis? Oh purée les gars, j'ai bénéficié d'un bug. Je viens de bénéficier d'un bug. C'est extraordinaire, je suis ici déjà. Alors là par contre... J'espère que ça va pas être mauvais, parce que sinon... Je serais un peu embêté. Donc vous avez vu, l'ennemi m'a propulsé dans le mur. Alors je sais pas comment on va faire. La trappe là, elle est fermée. Donc j'ai progressé dans le jeu.
d'une manière tout à fait inattendue. On va faire le plein. On va faire le plein. Parce que là, j'avais pas prévu qu'elle allait avoir cet ennemi-là. Mais regardez ce qui se passe là, c'est incroyable, je comprends rien de ce qui se passe à l'écran. Oh, les ennemis sont buggés. Il m'a pas vu, regardez, il voit pas. Eh, vous avez vu ça? Les ennemis ne me foncent pas dessus. Que se passe-t-il? Regardez-moi ça. Ils viennent seulement de s'allumer. Je comprends rien du tout là. C'est absolument hallucinant ce qui se passe. Il y en a un qui est planté là en tout cas, ça c'est clair. Il n'a pas encore compris que j'étais là. Et lui non plus, il n'a pas compris que j'étais là. C'est peut-être lié au bug, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'on progresse. On a bénéficié d'un bug. J'espère que ça ne sera pas mauvais signe pour moi. Parce que, du coup, comme j'ai un petit peu zappé des étapes, je sais pas si ça va être bon signe pour moi. Bref. On va monter sur cette plateforme. Donc, vous avez remarqué quand même que je suis passé au travers de la plateforme, au travers de la porte que je suis censé ouvrir quasiment à la fin du jeu. Donc là, on a accès maintenant à cet endroit. On va aller sauvegarder, du coup. Hein. Écoutez, oui, hein, puisqu'on progresse. On n'aura pas besoin de revenir en arrière. Donc là, on a bénéficié d'un bug de la console. Bah écoutez, hein, ça peut arriver. J'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas provoqué. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, on va progresser comme ça. Alors, est-ce que j'ai bien fait d'aller par là, par contre? Ah, donc ça y est, les ennemis viennent de s'activer. Par contre, j'aurais peut-être pu prendre autre chose. Je sais pas si vous remarquez, mais il y a un ennemi encore en face, là-bas, au fond. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je dois... parce que du coup, là, je suis un peu perdu, comme j'ai pas pu faire les trucs que j'avais prévus. D'accord. Donc là, j'ai ouvert une trappe en bas. Donc là, je vais aller retourner au pont. Et dans la salle précédente... alors, est-ce que j'ai tué tous les ennemis? Donc là, voilà, l'ennemi là-haut, il est détruit. Il y a toujours l'ennemi là, qui a toujours pas compris que j'étais... Ça, c'est quand même extraordinaire. Hein. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Là, c'est inouï. J'ai avancé d'une manière un peu bizarre, on va dire. Mais bon, c'est ainsi. Ça fait partie du bug et du jeu. Donc là, j'ai ouvert une trappe dans le sol. Alors, attendez. On va faire attention. On va faire doucement quand même. Hein. Je crois que ça doit être ici. Non, c'est pas ici. Parce que normalement, je dois faire monter le niveau du sable. Alors, je crois que ça doit être là que je vais monter le niveau du sable. Alors, je vais faire attention. Est-ce que c'est ça? Non, il n'y a pas de... attends, je fais monter le niveau du sable. Ah mais non, en fait, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Je vais remonter là. Alors attends. Je vais voir où c'est. Donc la trappe, visiblement, c'est dans cette pièce. Mais le problème, c'est qu'il faut que je fasse assez relativement attention. Donc là, on va faire attention à ce qu'on fait. On va aller chercher
Des munitions. Là, ça semblait un peu assez logique. On va peut-être en avoir d'autres là-bas. Il y a un interrupteur au-dessus, donc c'est peut-être ce que je pensais. Il y a du sable à faire monter. Je crois qu'il y avait du sable à faire monter. Voilà, c'est bien ce que je pensais, hein. Je savais bien qu'il y avait quelque chose à faire. Alors, vérifions ce qui s'est passé. Alors là, je sais pas. Le problème, c'est que je vois pas trop ce que j'ai fait là. Alors, est-ce que je vais revenir sur mes pas? Alors, je suis un peu déboussolé du fait que j'ai eu ce bug. Je ne vous cache pas. Normalement, il n'y a pas de ce genre de problème. Alors, je sais pas s'il faut que je fasse. Normalement, non, je vais revenir sur mes pas. Parce que je crois qu'il y a un moment donné, il faut que je fasse monter le niveau du sable. Normalement. Et comme j'ai fait le tableau un petit peu à l'envers. Ah non, non, en fait, c'est pas ça. C'est le sable, il s'est vidé ici. Donc, du coup, donc là-bas, il y a la clé. Donc, il faudrait que je puisse accéder par en bas. Donc, le mieux, ça peut-être que je descende là-bas. Hein. Ouais, on va peut-être descendre par là. Alors, attends, on va faire ça. Comme ça, comme ça. On est d'accord. On va aller en face là-bas. On va vérifier que je ne sois pas trompé de direction. Ouais, donc là, je suis revenu au point de départ, mais ça, c'est normal. Parce que je dois atterrir par en dessous. Donc, du coup, on atterrit là. D'accord. Donc là, normalement, on doit pouvoir avoir une trappe en plus qui s'est ouverte. Je suis sûr que c'est dans ce tableau. Dans cet endroit, je veux dire. Voilà, donc la trappe qui s'est ouverte, c'est ça. Et on va aller là. On va aller là. Alors, on va faire attention. Parfait. J'ai l'impression qu'on est revenu sur nos pas là. Normalement, on doit atterrir dans la pièce où il n'y avait rien. C'est-à-dire, on va avoir une pièce avec du sable qui a coulé. Mais je ne sais plus où. Ah bah sinon, c'est bon, c'est là. C'est la pièce que je vous disais tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est bien ça. Hein. Il n'y a pas de problème. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Donc, on va monter. Non, non pas par là. Donc, là. Je me suis un peu planté. Alors, c'est un peu bizarre. C'est vrai que le tableau, là, il vous paraîtra un peu bizarre. Mais bon. Ça fait partie de la chance, si je puis dire ainsi. Donc, je vais aller récupérer une clé pour sortir d'ici. Donc là, il y a la grille. Il y a quoi là? Bah. C'est quoi ce mince? Bah. Ah, mais mince, c'est la clé! J'ai pas été chercher la clé! Ah zut, mais quelle tête, mais je sais pas où elle est cette clé. Attends, elle est où la clé? Ah mais peut-être que je retourne là-haut. Attends. Ah oui, oui, non mais attends, je crois que ça doit être ça. Hein. Il faut aller chercher la clé d'abord. Alors on va vérifier ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va, c'est pas trop compliqué. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose que j'avais raté. Hein. Attends, est-ce que c'est bien là? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, bon, c'est pas... Voilà. J'étais un tout petit peu précipité. Un tout petit peu dans la précipitation. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème.
Pas de problème, il n'y a que des solutions. Allez, on active le mécanisme de suite et on va à la sortie. Yes! Oh là là, qu'est-ce que c'est bon! Et voilà, c'est fait! Eh bien écoutez, ce fut bizarre, mais on a réussi quand même. On a eu quand même un secret aussi. Alors bah voilà, hein. Je ne sais pas tout su, mais bon, vous pouvez toujours aller voir d'autres vidéos pour les avoir, les secrets. Moi, je vous ai montré un truc assez bizarre, avec un bug. Ouais. Voilà, ça change un peu des autres. Ben voilà, c'est donc la cité de Camoun. On a terminé. On se retrouvera donc pour le 11e tableau prochainement. Je vous dis bye bye et à bientôt. Salut !